What's up les lamas, c'est Elite, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça a plutôt bien les amis. Et aujourd'hui c'est le retour après plus d'un mois d'absence et d'inactivité sur la chaîne. Et pour cause, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc j'ai déménagé. Et qui dit déménagement dit beaucoup de temps pris, beaucoup de manque de temps. Il y a un manque de connexion avant, pendant et après le déménagement. Et vu que je vous l'avoue, j'en ai clairement ras le cul des services d'Orange et de leur service à la con tout simplement. J'ai décidé de changer d'opérateur et de passer chez Free. Je vais en parler dans une prochaine vidéo d'ailleurs pour beaucoup de projets dont je vais vous parler. Donc ça a mis à peu près un mois pour avoir ma nouvelle connexion. Là ça fait à peu près 24 heures que j'ai reçu l'ACO et je peux vous dire que ça valait vraiment le coup d'attendre. Pour ma part, je suis pas déçu, et vu l'endroit paumé où j'habite, pour ceux qui le savent, j'habite en campagne, et donc j'ai un débit qui est plutôt excellent pour l'endroit où j'habite, notamment pour les streamings où je pourrais vous fournir de la 1080p, désolé, sans aucun souci. Là on a un débit qui est vraiment supérieur à ce qui est nécessaire pour streamer en Ultra HD. Ça c'est plutôt cool car mon ancienne com empêchait complètement d'avoir ce genre de petit plaisir qui est d'être avec vous en direct les lamas pour streamer sur des jeux ou parler ensemble, faire des petites FAQ en direct. Ça c'est vraiment un petit plaisir que je pouvais pas me permettre avec mon ancienne co. Mais maintenant ça va changer très souvent et je vous, de toute façon je vous préviendrai, désolé, par vidéo. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les deux ou trois fois où j'ai eu accès à internet durant ce mois qui vient de passer, c'est avec le réseau Free Wi-Fi du nouveau lycée où je suis. Car pour ceux qui ne le savent pas, enfin ça y est, je suis au lycée. Donc je vous en parlerai un peu d'ailleurs au fil des prochaines vidéos pour vous aiguiller et vous aider à ne pas faire d'erreur dans votre choix. Bref, et donc ces quelques connexions que je vous disais m'ont uniquement permis vers la quinzaine de septembre environ de vous tenir au courant via Facebook, où je vous invite d'ailleurs très fortement à me suivre car maintenant que j'ai la co raisonnable de tous les réseaux sociaux, vous reprendre donc de l'activité, et plus particulièrement Twitter et Snapchat où je suis très actif. Donc vous me suivez, de toute façon j'ai tout le temps mon téléphone pour tweeter ou mettre un petit snap. Donc mon snap c'est ElitorSnap et mon Twitter c'est @monsieurjeuxElit. De toute manière c'est comme d'habitude, vous le savez, tous les liens sont dans la description. Donc un autre petit point de cette vidéo car je veux pas faire trop long et j'aime vraiment pas trop ce genre de vidéo sans gameplay, sachant qu'il y a juste ma tête comme support. Donc je voulais vous parler un peu de la rentrée sur ma chaîne et donc des projets que je vais tenter de concrétiser. Et parmi eux il y en a un qui me tient vraiment à cœur, vous le savez depuis l'année dernière, j'en ai parlé à quelques-uns des abonnés, ceux qui me demandaient mes projets à chacune des rentrées, que ce soit les grandes vacances ou les petites vacances. Et donc j'ai tenté de lancer un projet en septembre dernier sans que ça aboutisse réellement. Mais cette fois je pense que vraiment ça va se faire et que ce nouveau format devrait sortir début novembre ou à la fin des vacances d'octobre du moins. Vous verrez que c'est un très gros projet, je peux pas tout vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sera vraiment différent du contenu que je propose habituellement. Ça restera axé gaming et high-tech quand même, par le sujet. Mais ça sera du très très lourd, notamment avec de très très gros invités qui se joindront à moi dans les vidéos sur ma chaîne. Donc je vous en dis pas plus. Sinon, c'est plus trop une surprise, mais vous verrez que c'est du très très lourd. Restez connectés. Donc j'ai également d'autres vidéos un peu plus en mode d'e-vlog et non gaming à vous proposer prochainement sur la chaîne. Donc comme par exemple, vous raconter prochainement mon passage de la connexion Orange à Free. Ça peut paraître très banal, on peut se dire ouais je m'en bats les couilles réellement, mais en réalité c'était tout un bordel pour moi que d'avoir une connexion posée, enfin avec ma vraie connexion qui marche bien. Et ça sera d'ailleurs l'occasion cette vidéo de vous conseiller, vous les lamas, les abonnés en direct à la chaîne, enfin de ne pas vous tromper en termes de fournisseur d'accès internet, donc de FAI, et d'être pleinement satisfait sans faire d'erreur. Je pense avoir tout dit les lamas. Comme je vous disais, j'aime pas trop ce genre de vidéo en face commentary. Excusez-moi si tout le long de la vidéo, j'ai regardé mon écran qui est juste là. C'est juste que j'ai pris beaucoup de notes et il est très dur de tout retenir juste en regardant la caméra. Donc j'espère que j'ai à peu près tout dit. Je crois que j'ai rien oublié. Donc vous savez désormais à peu près pourquoi la chaîne n'a pas été active pendant plus d'un mois. Ça aura été très très long de ne pas vous faire de vidéo, de ne pas avoir de connexion pour jouer, tout ça. Ça aurait été vraiment très long. Quelque part, ça fait du bien, on se ressource. Mais ça me fait également beaucoup de bien de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo explicative qui j'espère vous aura fait plaisir. De toute manière, dites-moi en commentaire si vous voulez une FAQ prochainement, peut-être pour les 3500 abonnés ou les 4000 ou même avant. Car si vous le précisez pas en commentaire que vous n'en voulez pas, enfin si vous ne dites pas en commentaire que vous en voulez, tout simplement, je saurai jamais que votre envie est d'avoir une FAQ et donc l'idée ne verra jamais le jour sur ma chaîne. Et je trouve ça un peu con parce que c'est pour ça qu'à chaque vidéo, je vous invite à lâcher un like, un commentaire pour me donner vos idées et vos envies de ce que vous voulez voir sur la chaîne. Donc prouvez-moi que vous êtes actif en lâchant un like et un commentaire. Je crois avoir tout dit, j'espère que vous serez éclairé donc sur ma situation. Je me répète beaucoup avec les notes. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitter et Snapchat, vous verrez que je suis très actif, on rigole vraiment bien. Et c'est vraiment facile de se parler via ces réseaux sociaux, contrairement à Facebook ou les commentaires YouTube. Et si c'est pas déjà fait, donc je répète, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour du contenu régulier. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.
Ciao les lamas.